Martine Marlin, donc, qui est venue, comme tous les ans et comme d'habitude, à cette collecte de la banque alimentaire. Elle est venue avec son équipe de jeunes du campus Saint-Christophe, des jeunes filles là, qui viennent un peu amener leur sourire et leur dynamisme à cette opération. Alors Martine, qu'est-ce que tu leur as dit, je te tutoie, hein, qu'est-ce que tu leur as dit pour les motiver à t'es le coach toi de... Alors je suis le coach, mais en même temps un coach qui a peu de travail, parce que motiver ces jeunes, c'est très très facile. Et tu sais pourquoi ? Parce que les plus âgés, les terminales, sont le relais de cette action. Ça fait longtemps que nous sommes partenaires, ça fait donc longtemps qu'on passe le flambeau. Et donc les terminales viennent aider les secondes, et je trouve que c'est remarquable. Donc coacher des jeunes comme ça, c'est juste trop facile. Et alors vous allez être présent ici sur le Super U, mais vous êtes présent ici ailleurs, hein ? Oui, ouais. J'ai deux élèves qui habitent à Mirande, et donc ils vont aller directement à Mirande. Et j'ai trois élèves qui vont sur CI100 et on a ce petit groupe qui reste à Massub, parce que quand même Massub est un endroit très important pour nos jeunes. Bon, merci beaucoup, merci pour cette implication de cette classe et du campus Saint-Christophe. Eh bien, merci, on continue, nous sommes partenaires, donc à l'année prochaine. À l'année prochaine, merci Martine, bonne journée. Merci. On va dire, si je viens de prendre du thon, des trucs pour bébé, des produits d'hygiène, etc. Ici, on aimerait bien arriver au moins à une tonne 5.